soit plus rapidement. Voilà, sentir que tout ça, ça se met dedans. Et sentir dans cette main que ça bouillonne de ressources, que ça bouillonne, en fin de compte, de capacités. Il y en a tellement que ça devient de plus en plus léger, de plus en plus léger, de plus en plus léger. Voilà, sentir que tout ça se met en place et que toutes les parties créatrices assemblent tout ça pendant ce temps-là et développent de nouvelles choses. Des choses qui n'ont peut-être encore jamais été mises en place et qui se mettent en place maintenant. Voilà, et se laisser devenir léger, de plus en plus léger, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Sentir ce qui se passe, voilà, sentir tout ça, sentir dans la main les sensations que ça donne. Souvent, peut-être une sensation de chaleur, peut-être une sensation de fourmillement, peut-être plein d'autres choses, peut-être d'énergie. Et laisser aller de plus en plus haut, laisser vraiment charger au maximum tout ce qui va permettre de mettre ça en place pour que la mémoire devienne affûtée, devienne aiguisée, pour que la mémoire devienne vraiment très très sensible. Très très sensible, que tu puisses en fin de compte apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre, tout ce que tu as envie d'apprendre. Apprendre et le faire revenir, voilà, comme ça, brut, dans la tête. Dès que tu en as besoin, avec confiance. Voilà, très bien. Et sentir cette légèreté, tout ce qui vient dans la main, de plus en plus légère, de plus en plus légère. Voilà, très bien. De plus en plus légère. Et une fois qu'il y a assez de choses de mise à l'intérieur de cette main, voilà, bah, ressentir ce qui se passe dedans. Laisser tout ça s'assembler maintenant, toutes ces ressources, toutes ces nouvelles choses qui ont été créées, les laisser s'assembler, car elles ont bien compris le but. De tout ça, qui fait en sorte que tu aies une mémoire infaillible. Et peut-être que même pendant ce temps-là, et ben dans l'autre main, il y a une partie de toi, peut-être plus consciente, qui fait en sorte que le blocage, cette fameuse panique, cette fameuse chose qui te fait prendre un petit peu la fuite, quand tu ne te souviens pas tout de suite de tout, et ben, tu peux commencer à mettre des choses en place pour faire disparaître. Voilà, sentir ce qui se passe tout de suite dans l'autre main. Voilà. Et sentir tout ce qui se met en place pour que cette fameuse façon d'esquiver, cette fuite, disparaisse. Voilà, et laisser faire la main de la même façon. Pendant que l'autre peut commencer à intégrer. Voilà, l'autre peut commencer à intégrer à l'intérieur de toi. Tout ça, toute cette mémoire. Tous ces nouveaux moyens d'apprendre. Sentir ce qui se passe dans cette main quand tout ça est en train de s'intégrer, quand tout ça est en train de se mettre en place à l'intérieur. Et peut-être que tous ces fourmillements qui étaient dans la main, tu commences à les ressentir dans le corps, dans des endroits, peut-être dans la tête, peut-être même dans certains endroits du corps. On peut se stocker certaines mémoires. Voilà, alors que l'autre main, elle devient plus légère. Et sentir à quelle vitesse ça se fait, parce que ton corps le sait déjà, que tout ça, eh ben, il faut que ça se mette en place, que certaines choses doivent disparaître pour ton bien, pour ton respect, avec efficacité, avec facilité. Et que d'autres choses ont besoin de se mettre en place et laisser faire le processus doucement. Voilà, et laisser ces deux parties de toi travailler ensemble. Pour que les deux choses fusionnent, que tu puisses apprendre en toute tranquillité, te souvenir en toute tranquillité, en toute confiance, en toute sérénité. Voilà. Très bien. Et sentir ce qui se passe quand ça se fait. Super. Mettre ça en toi. Ça prend une nouvelle place. Et sentir comme on sent quand on change. Tu vas peut-être pouvoir être curieuse de sentir comment tu vas te sentir quand tu vas savoir que tu as changé maintenant. Quand tu vas en être persuadé, tu vas te dire de toute façon, là, ça y est, une partie de toi qui sait, qui en est sûre que ça y est, là, t'as changé. Ressentir à quel point ces examens vont être simples à passer. Sentir que tout ce qui rendait les choses compliquées à l'intérieur de toi a disparu. Sentir à quel point c'est simple. Et
des fois les choses sont tellement simples, que ce soit même des concerts, c'est tellement agréable. Un petit peu comme, bah, comme ce qui vient de se passer là, comme simplement le fait de laisser faire les parties de toi qui savent faire. Permettre que ça se fasse le plus simplement possible, le plus efficacement possible. Profitez encore quelques instants de cet état où t'es bien, t'es contracté. Les bras maintenant peuvent se permettre de se reposer aussi après tout ce travail, pendant que tout ça à l'intérieur de toi prend sa place, sa nouvelle place. Peut-être même ressentir que des souvenirs que tu pensais ne pas avoir ressurgissent spontanément, sans même t'en apercevoir. Et puis sans aller encore plus loin, tu peux commencer à reprendre conscience que tu es dans cette pièce-là, allongée sur le canapé, avec tes mains posées l'une sur l'autre. Tout à l'heure, tu t'as dit, oui, j'ai oublié ce qui se passe, tout ça. Mais il faut que tu saches que c'est toi qui choisis. Si tu veux oublier ce qui s'est passé durant cette séance, ou si tu veux te souvenir absolument tout ce que tu as envie de te souvenir. Voilà. Tu peux bouger, hein. Tu peux commencer à bouger, tu peux commencer à ressentir un petit peu le tonus de tes jambes, de tes bras, voilà, retrouver le tonus du visage, retrouver ta respiration, entendre les bruits de la pièce. Voilà, et dès que tu le veux, tu reviens ici et maintenant, pleine forme, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui, ça va. Bon. J'étais obligée de te rattraper, tu étais en train de vouloir sauter par la fenêtre, tu sais. Non, je me souviens. Tu te souviens? Ouais. Je me souviens. Je n'ai pas, enfin, je n'ai pas bougé. Si, j'ai bougé, mais juste mes bras, je pense. Je pense que mes bras. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens que mes bras. Et tes bras? Ont bougé. Mm-hmm. Mais je me souviens. Bon, bah, tu vois? Oh, je suis bien. Ouais? Ouais. Alors? Hein? C'est pas. Non, c'est. Je me souviens des sensations. Des sensations? Mmh. Ah. De, effectivement, une légèreté, de, un truc comme une boule dans ma main. Comme une boule dans ta main? Ouais. Je l'ai vue en plus. Tu l'as vue? Chaude? Ouais, elle était rouge orange, hein? Ma boule. Ouais. Et chaude. Et après, plus froid. Ah, c'est au départ chaude quand c'est arrivé. Voilà. Bah voilà, tu vois, t'as senti quand je...